Coucou à tous, c'est Krim. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, pas de let's play pour ce coup-ci. Juste un nouveau petit challenge du CAS. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le challenge Ugly to Beauty. Qu'on pourrait donc traduire en français par de moche à beau, en fait. Hein. Donc, le but du jeu, c'est de prendre un Sims dans les galeries qui est... comment dire ? Qui n'a pas un physique avantageux, voilà, de modifier un petit peu tous les paramètres pour le rendre le plus agréable à regarder possible. Alors on est d'accord, la beauté dans les yeux de celui qui la regarde, mais enfin dans la galerie il y a quand même quelques Sims qui sont, comment dirais-je, pas très gâtés par la nature. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va aller d'abord, la première étape c'est de trouver... le fameux Sims Ugly dans la galerie. Alors, je sais que la plupart des challenges Ugly to Beauty se font avec des Sims 7. Et moi, pour ma part, j'ai décidé de prendre un garçon. Déjà parce que c'est bien connu, je suis plus douée pour faire des beaux gosses que des jolis Sims 7. Donc, c'est plus mon rayon. Donc, voilà. Donc, on va aller voir dans la galerie un peu ce qu'on trouve en termes de Sims. Voilà, se connecter. Alors, je m'excuse hein, au niveau de ma voix si elle est un petit peu cassée ou quoi. Je sors de 10 jours de bronchite et il y a quelques restes. Hein. J'espère que je vais réussir à finir cette vidéo sans être totalement essoufflée. Sinon, ben tant pis, on recommencera un peu plus tard. Alors, donc j'avais déjà tapé Ugly Mail dans la recherche. Et le choix qui s'offre à moi est assez, comment dire, éclectique. Donc... ben, on va en prendre un petit peu au hasard, hein, parce que je ne connais pas ces charmants jeunes hommes, n'est-ce pas? Tiens, on va prendre un qui est populaire. Hop. Fais voir ta tête. Ah, c'est pas terrible, hein. C'est pas gagné. Mais, ouais... Bah écoutez, celui-là me plaît bien. Allez, on est parti. De toute façon, c'était le premier de la liste. On va essayer. C'est parti. Alors, les règles sont simples. Je peux modifier absolument tous les paramètres que je désire. La seule chose que je n'ai pas le droit de faire, c'est de prendre un paramètre préexistant. C'est-à-dire... on va aller voir ça. Par exemple, pour le nez, je ne peux pas choisir un des nez voilà, de la liste. Par contre, je peux le modeler comme je veux. Donc voilà, donc ce jeune homme s'appelle Karl. Par contre, voilà, c'est un jeune adulte. Et effectivement, il n'a pas un physique facile. Hein. Donc on va essayer de l'aider un petit peu, hein. Il y a du boulot. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais on va essayer. On va commencer par les oreilles, ça me semble. Voilà, le plus évident. On va s'attaquer au nez, parce que le nez, c'est quand même hyper important. Oh là là. C'est pas gagné. On peut pas reculer un petit peu. Non, on peut pas. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Hein. Je suis pas sûre. Je vous dis honnêtement, je suis pas sûre d'arriver à réussir ce défi à transformer donc Karl en un canon de beauté. Mais enfin, on va essayer de faire au maximum. Hein. De toute façon, je pense que je peux pas faire pire. Voilà. Bon, ça, c'est pas trop mal. Mais je trouve qu'il est un peu pas... Alors, attends, comment... Voilà. On peut pas reculer ça, non, on peut pas. Bon, ensuite. Le nez. Oui, ça peut être évident, ça. Oh là là là. Bon, alors, je vous annonce tout de suite, je pense que c'est un défi que je vais perdre. Les sourcils. Alors je peux pas. Par contre, je peux choisir une taille de sourcils, je pense, parce que c'est pas la forme, c'est juste le que ça. Je peux pas le changer manuellement. Donc on va prendre les sourcils basiques, voilà. Et on va les modeler. Oh là là.
Franchement, on n'est pas aidé, hein, parce que c'est pas facile tous les jours. On va agrandir un petit peu l'œil. Alors, je suis désolée pour les doung-doung, j'ai oublié de couper ma connexion internet. Donc, c'est tous les messages que je reçois sur Messenger, dans une conversation qui est plutôt active, que je vais désactiver tout de suite avec mon téléphone pour éviter les doung-doung de toute la journée. Hop. Nouveau message pendant 8 heures. Voilà. Comme ça, on ne devrait plus être embêté. Voilà. Excusez-moi, c'était pour. D'habitude, je coupe ma connexion internet, mais là, j'ai un peu zappé. Donc voilà. Heureusement, je peux le faire depuis mon téléphone. Alors, on en était où avec Karl? Ah oui, les yeux. On va essayer de rendre les yeux à peu près normaux. Il a l'air un peu étonné là. Bon, c'est pas ça. De toute façon, on va y revenir. Alors, ok. Par contre, tu m'excuseras, mais tu vas finir brun. Hein. C'est un peu obligatoire. S'occuper un petit peu de sa bouche. Bon, c'est pas mal, ça commence déjà un peu creuse. Hein. On va essayer de modifier ça. Alors, c'est pas évident. Voilà, qu'est-ce qui t'arrive à la bouche là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il est pas mal. J'ai un peu de mal avec le nez. Mais j'arrive, je sais pas comment pour le reculer en fait. Je sais même pas si c'est possible. Parce que bon, de face, ça commence à prendre forme, mais. Mais sur le profil. Oula. Ah, je peux pas reculer le nez. Je peux pas reculer le nez un petit peu comme ça. Tina en trompette, non, c'est très très moche cette histoire. Mais c'est bizarre, je peux pas. C'est non. Ah, ou alors peut-être si on avance les yeux, on peut-être. Diminuer cet effet. Non, bah, je sais pas. Bon, on va s'attaquer aux yeux. Enfin, on va se réattaquer aux yeux. Est-ce qu'ils ne me plaisent pas? C'est pas mal. Les yeux sont trop gros. Trop. C'est pas possible. Puis surtout trop étonné. On est pas mal. Je vous dis. Ça prend forme. J'ai bon espoir pour Karl. C'était pas le cas jusque-là. Mais là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, on va rapprocher un peu les yeux. Pas mal, non? Attendez, parce que là, vous on dirait pas comme ça, mais on va rajouter des cheveux, vous allez voir. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, les cheveux, les cheveux, les cheveux. Qu'est-ce qu'on va te mettre comme cheveux? Donc, on va éviter les CC. Oh mon dieu. On a dit que t'étais brun. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un sacré fond quand même. Hop. Tout est un peu haut, non? C'est. Je sais pas. Bon, alors, on en est aux cheveux. On va pas laisser ça.
Ouais. Ouf, non. Tic 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 tic. Non. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir te mettre? Mais c'est un peu tout ça. Pas moyen de baisser le fond. Je sais pas, j'ai quelque chose qui me gêne dans le front, donc on va essayer de régler ça après. Déjà, on va aller trouver une coupe de cheveux. Allez hop, ça va aller. Alors par contre, moi je les aime bien bruns, un peu mal rasés, donc on va aller lui chercher une petite barbe de quelques jours. Ah voilà, nickel. Et on va pouvoir un petit peu finir. Voilà. Il y a toujours cette histoire de nez, hein, Bon, c'est pas si choquant que ça, mais quand même. Bon, bah, le front avec cette coiffure, ça passe mieux. Hop, est-ce qu'on peut améliorer un petit peu les yeux? Non, bon, c'est pas mal comme ça. Bon, alors j'ai un vrai problème avec son nez là. Je suis sur les yeux. J'arrive pas à. Voilà, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il a le nez très en avant. Mais bon, c'est peut-être une impression. Écoutez, moi je trouve qu'au niveau du visage, on s'en sort pas mal. Surtout quand on sait de quoi on est parti. Voilà, nickel. Maintenant, on va s'attaquer au physique parce qu'on peut pas lui laisser un corps comme ça à ce pauvre petit. On dirait que, je sais pas, on lui a greffé le haut sur un bas qui est pas du tout à lui. Donc on va partir sur un corps à peu près normal. Ouais, les hanches, c'est pas ça. Hein. Les cuisses non plus. Les bras, c'est bien. C'est l'épée. Voilà. Allez, bon. Bon, les fesses, moi j'aime bien quand c'est rebondi, mais point trop n'en faut. Qu'est-ce que c'est que ces jambes de canard? Voilà. Ou les bras aussi, j'avais pas vu. Bon, on est pas mal. Ouais, nickel. On va peut-être un petit peu, on va pas abuser des bonnes choses, hein. Un petit peu d'abdos, point trop n'en faut. Bon, on est pas mal là, regardez-moi ça. Par contre, du coup, j'ai l'impression qu'il a une petite tête. Voilà. Eh, franchement, beau gosse ou pas? Eh, moi, je trouve que j'ai quand même réussi. Franchement, j'y croyais pas, hein, mais je trouve que j'ai quand même pas trop mal réussi mon défi. Quand on pense à d'où il est parti, moi je trouve que franchement, il est pas vilain du tout. Il est même plutôt beau gosse. Enfin, moi ça me gênerait pas de l'incorporer à une de mes histoires, une de mes parties. Donc on va l'habiller quand même un petit peu, parce que voilà. Mais bah écoutez, je vais finir de l'habiller tranquillement. Et puis je vais mettre quelques photos à la fin d'avant-après. Et puis bah à vous de me dire si j'ai réussi, mais moi personnellement, je suis plutôt contente de moi. Donc voilà, moi je te dis Paris réussi.